bonjour à tout le monde. C'est l'occasion de présenter un peu le travail que l'on a réalisé, depuis, depuis 2015, même depuis 2014, puisque la mise en place d'une mission de ce type-là prend un certain temps. Et en gros, vous avez, je vous donne une idée sur un agenda pour une mission de ce type-là, vous avez une mission qui a duré 2 ans à peu près, du mois de mai 2016 au mois d'octobre 2018. Vous la prévoyez à peu près 2 ans à l'avance, donc vous prévoyez le questionnement scientifique 2 ans à l'avance, vous prévoyez les équipements à peu près 2 ans à l'avance, et puis maintenant, on en a à peu près pour un minimum de 5 à 7 ans, je dirais, d'analyse au regard des données que l'on a récoltées, dont je vous parlerai. Donc, je vais vous parler donc de Tara Pacifique, mais je vais vous parler d'abord des récifs coralliens. Parce que dans l'océan, et ce matin ça a été très rapidement abordé, il y a eu une planche d'ailleurs sur les récifs coralliens ce matin, qui expliquait donc, la représentation des récifs coralliens dans les océans, et je vais y revenir dessus. D'abord, lorsqu'on parle de récifs coralliens, moi j'aime toujours montrer quelques jolies photos. Ça évite de s'endormir déjà, et puis ça attire un peu l'attention. Et puis c'est parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même des formes et des couleurs qui sont particulièrement remarquables. Et je dirais que si on peut considérer que on a des bons avocats et des mauvais avocats, je pense qu'on peut considérer que les bons avocats, ce sont pour la défense de l'environnement marin, les récifs coralliens font certainement partie des bons avocats dans ce type de perspective. Voilà. Alors. Si vous voulez que je vous donne quelques noms scientifiques, ça ce sont des acropores, ça ce sont toujours des acropores, c'est ce qu'on appelle du corail de feu, qui n'est pas tout à fait un corail, mais qui a une structure très proche, qui est quelque chose qui est plus près des méduses, mais je reviendrai. Là vous avez encore des acropores, là vous avez un très joli Poecilopora, et puis là vous avez une pente, je dirais, externe d'un récif tapissé d'une diversité, principalement ici, ce qu'on appelle des Poecilopores, des Poecilopora. Et puis, lorsque vous le voyez en 3 dimensions, eh bien, et si ça marche, ça devrait marcher, eh bien, ça vous donne un récif de cet ordre-là. Là, vous avez un récif qui a été reconstruit à partir d'images 3D, donc d'approche type photogrammétrie. C'est un récif en Polynésie, c'est un atoll, et donc on comprend de suite, surtout, à vous de ces images, la complexité. C'est-à-dire, on n'est pas sur quelque chose qui est uniforme, on est sur quelque chose qui est très, très complexe, ce qui fait que l'on va pouvoir, là-dedans, compter et inventorier un nombre relativement important d'espèces, et je reviendrai sur cette diversité. Donc voilà un petit peu les différentes formes que vous allez trouver, la complexité que vous allez trouver dans un récif corallien. Ça donne une bonne vue. Alors, vous avez également une complexité de forme, vous avez également une variabilité importante de couleurs. Et les couleurs sont souvent dues aux hôtes que l'on retrouve dans ces récifs coralliens et sur ce sur quoi je reviendrai également. Voilà. Donc, ça, c'est des nouvelles approches en suivi de l'environnement, en suivi d'un écosystème, c'est-à-dire que on essaye d'avoir une idée, non pas uniquement des espèces qu'il y a, mais également de la complexité du récif qu'elles entraînent, de la complexité du substrat qu'elles entraînent, et finalement de la structure qu'elles vont pouvoir soutenir. Voilà un peu cette complexité. Alors le corail, pour revenir au corail, c'est un organisme, d'abord, c'est un organisme qui est un animal, voilà, pour commencer, sur la base, c'est pas une fleur, c'est pas une plante, mais il y a quand même quelques éléments là-dedans. Donc là, vous avez un détail du polype, et là, vous avez un détail de ce polype qui est pris en microscopie. Et là, vous avez en fait cet animal qui est relativement petit. C'est un cousin des anémones et des méduses, en gros. Voilà, donc qui est dans la même particularité. Ce qui fait que vous avez certains coraux, lorsque vous allez y mettre les parties les plus fines de la peau, eh bien vous allez avoir effectivement des petites brûlures qui peuvent être occasionnées par certaines espèces qui sont un peu plus urticantes que d'autres. C'est un animal qui est très ancien. Les premiers coraux, dans leur structure, je dirais, proche des structures actuelles, c'est à peu près 700 millions d'années. Les structures modernes des récifs coralliens, c'est 150 millions d'années. Donc on est sur des choses qui sont très anciennes. Initialement, vous voyez, on les avait à la base quand même de l'arbre, je dirais, de diversification des espèces. On les appelait des zoophyta. Donc ça, c'est en 1877. Hein. Zoophyta, zo pour animal, phyta pour plante, parce que au tout début, on n'avait pas, je dirais, la certitude que c'était effectivement un animal. C'est un animal néanmoins qui a un contexte
hop, je suis allé trop vite évidemment, qui a un contexte un peu particulier, c'est que c'est un animal qui fait une symbiose avec un végétal. Donc vous avez effectivement un animal et à l'intérieur vous avez toutes ces petites bulles, ce sont des algues unicellulaires de la grande famille des zooxanthelles, et ces algues unicellulaires, c'est ce qui apporte une grande partie de l'énergie au corail. Lorsque vous voyez toutes les tentacules qui s'agitent à l'extérieur, c'est effectivement pour capter du plancton, mais cette captation de plancton, finalement en termes d'apport énergétique, est relativement limitée, et on considère que dans un corail qui se développe normalement, un corail hermatypique, de temps en temps j'ai quelques mots comme ça que j'utilise sans m'en rendre compte, hermatypiques sont des coraux qui sont justement avec des zooxanthelles, et pour lesquels je vous comparerai des coraux qui sont sans ces algues, sans ces zooxanthelles. Eh bien, ces coraux hermatypiques, effectivement, c'est ces algues qui produisent, qui apportent une grande partie de l'énergie au corail. Mais vous avez des coraux qui ne sont pas hermatypiques. Ici, vous avez un corail rouge de Méditerranée. Celui-ci, vous voyez, le polype, il est complètement translucide, il est complètement blanc. Celui-ci n'est pas du tout associé avec des zooxanthelles. Vous allez me dire, ah ben, ceux-là aussi poussent et sont très beaux également. Il y a une petite différence quand même entre ces coraux-là et ceux-là, c'est que ceux-là, ils poussent d'à peu près 3 à 5 mm par an, et encore les bonnes années. Ceux-là, ils poussent, lorsque c'est des coraux branchus équivalents, d'à peu près 8 à 15 cm par an. Donc, vous voyez la différence. Pourquoi des croissances aussi importantes sur des coraux hermatypiques? Parce que, justement, cette algue apporte une quantité énergétique très importante qui permet d'accélérer la calcification et qui permet d'aller dans une croissance très rapide. Alors, ce polype, qui est l'unité fondamentale du corail, et dont je me plais quand je le présente à dire que c'est à la fois un animal, à la fois un végétal et à la fois un minéral, eh bien, il est constitué tout simplement d'une structure très, très basique, vous voyez. Vous avez ici les tentacules. À l'intérieur des tissus, alors là, l'image est un peu fausse parce que les tissus basaux, ils n'ont pas ces boules vertes qui sont les zooxanthelles, qui sont les algues. Ces algues sont principalement concentrées dans les tentacules parce que c'est la partie qui est au soleil, c'est la partie qui a besoin de capter le soleil. Et puis, vous avez tout simplement une simple bouche avec ici un estomac, une cavité gastro-vasculaire qui permet l'assimilation de proies qui sont également capturées ici et ramenées vers la bouche. Dans l'image dans le film que l'on avait, on avait ces images. Et puis, à la base, vous avez ce qu'on appelle le squelette calcaire, parce que effectivement, la particularité principale de ces coraux, c'est qu'ils vont sécréter un squelette calcaire sur lequel je vais revenir. Donc, une structure de base plus simple que ça, je dirais, dans le règne animal, c'est un peu difficile de trouver, c'est assez basique. Vous avez vu, je vous ai pas parlé de cellules nerveuses, ni de cellules hépatiques, ni de toute autre cellule que l'on peut trouver dans évidemment les animaux développés tels que les vertébrés. Alors, le corail, ça part d'une simple reproduction qui est aussi une des particularités. Là, vous avez un corail avec deux polypes sur une même colonie. Donc, on va revenir. Et ça peut partir d'une reproduction sexuée parce que, effectivement, on va avoir une émission de gamètes, gamètes mâles, gamètes femelles, avec une reproduction sexuée, une petite larve qui va planer quelques temps dans l'océan, quelques heures, parfois quelques jours maximum, avant de venir se poser. Et puis, vous avez aussi de la reproduction asexuée. Alors ça, c'est ce qui, parfois, je dirais, fait confondre avec des plantes, parce que quand on parle de reproduction asexuée, on parle souvent de bouturage. En gros, vous allez prendre une colonie corallienne, vous allez la casser, vous allez la mettre sur un petit morceau, et puis vous allez faire comme ceci, par exemple, ici, toutes ces colonies sont issues de la même colonie, et vous allez repartir sur une nouvelle colonie. Et donc, vous mélangez dans cette reproduction à la fois de la reproduction sexuée qui est ici, à la fois de la reproduction asexuée parce que vous avez un développement de ces polypes qui se multiplient, et puis lorsque ces polypes se multiplient, eh bien, vous arrivez à ce qu'on appelle une colonie. Alors là-dessus, lorsque vous avez une colonie comme ça, chaque corolle que vous avez ici, c'est un polype. Chaque corolle est un individu. Mais comme ces individus se sont multipliés les uns les autres, ce qui est très important, c'est que cet individu, il a exactement le même génotype, il a exactement les mêmes gènes, il a exactement le même ADN que ceci. Donc ici, on a une colonie de clones. On a en fait tout ce que vous voyez après en développement fait ces colonies de clones, et ces colonies de clones peuvent être particulièrement grandes, puisque là vous avez des colonies qui peuvent être massives, et au développement extrême vous avez les plus grandes bioconstructions existantes au monde, qui sont, eh bien, par exemple, la Grande Barrière en Australie, la Grande Barrière de Calédonie, ou encore la barrière,
ou encore la barrière du Mexique-Belize, qui sont en fait des constructions uniquement basées sur un organisme vivant qui, à la base, est un polype qui mesure de l'ordre de 3 à 4 mm. À la base, l'individu mesure ça et fait ces constructions-là. Alors, les coraux et le récif corallien, pourquoi c'est important? C'est à peu près 0,2% de la surface des océans et c'est à peu près 30% de la biodiversité. Donc, vous voyez que quand on parle de conservation, de biologie de la conservation dans les océans, vous avez un enjeu immédiat. Vous pouvez protéger une toute partie, une petite partie de l'océan et vous allez protéger une espèce sur trois dans les océans, dans l'océan. Et je suis sûr que Gilles vous précisera pourquoi l'océan plutôt que les océans. un enjeu particulier. Après, c'est un enjeu pour la France. Alors là, je vais vous donner quelques chiffres, parce que je trouve que parfois, certains chiffres sont remarquables. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 km carré de récifs coralliens, ça abrite à peu près l'équivalent de toutes les espèces que l'on a sur le littoral français métropolitain. En gros, vous partez de Boulogne, vous allez jusqu'à Biarritz, vous partez de Cerbère, vous allez jusqu'à Menton. Vous avez autant d'espèces sur tous ces littoraux en français que dans à peu près 1 km carré de récifs coralliens. Donc vous voyez les enjeux que peut avoir en termes de biologie de la conservation, en termes de perspective de conservation, un récif corallien de ça. Et la France, là-dedans, eh bien, c'est 5% des récifs coralliens. Alors évidemment, c'est pas en métropole, hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est en gros la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, c'est la Réunion, ce sont les îles éparses dans le canal du Mozambique et bien sûr les îles dans la Caraïbe que sont Guadeloupe, Martinique et quelques autres îles. C'est pas négligeable, c'est le seul pays, par exemple, qui a des récifs coralliens dans les trois grands océans. Alors là, je ne sais plus dans les trois grandes régions océaniques. Dans les trois grandes régions océaniques, qui sont aussi bien l'océan Atlantique que le Pacifique que l'océan Indien. Donc ce n'est pas négligeable. Et de ce fait-là, et si l'on regarde un peu la distribution des récifs coralliens, mis à part ces récifs coralliens en France, vous avez des récifs coralliens en Australie, vous avez des récifs coralliens sur les territoires américains et sur le sud du Japon, et à Taïwan, mais après, la plupart des autres récifs coralliens, et ça représente à peu près 75% des récifs coralliens restants, ils sont dans des pays, je dirais, émergents, comme on dit maintenant, ou en développement, et donc forcément, les politiques de conservation dans ces pays-là sont beaucoup plus difficiles à mettre en place, et surtout, la contrainte nourricière est importante. Parce que cet écosystème, il est, je dirais, c'est ce qu'on appelle un écosystème qui fournit énormément de services à nos sociétés. Les services premiers que l'on imagine immédiatement, c'est la pêche, bien entendu. Vous allez effectivement en Indonésie, vous allez en Papouasie, vous allez aux Philippines. Et pour eux, pour ces sociétés-là, le récif corallien, il est en premier lieu synonyme de garde-manger. Il est en premier lieu l'endroit où 90% des protéines animales, si ce n'est pas 100% dans la plupart des cas, c'est 100% des protéines animales que les gens vont ingérer, vont provenir du récif corallien. Donc si vous supprimez ou si vous détruisez ce récif corallien, eh bien vous êtes dans une situation compliquée. Mais c'est aussi, de façon, je dirais, secondaire, aussi un contexte où, par exemple, l'activité touristique est une activité qui est rémunératrice de façon importante dans d'autres pays ou même dans ces pays-là, parce que bon nombre de personnes vont aux Philippines ou vont en Indonésie pour plonger, par exemple, faire la plongée sous-marine, ou en Thaïlande, etc. Et c'est génératrice de revenus qui sont très importants. Si bien que l'on estime aujourd'hui, et les estimations sont de cet ordre-là, que vous avez à peu près un demi-milliard de personnes qui dépendent directement financièrement du récif corallien. Si demain, il ne devait plus y avoir de récif corallien, on devrait trouver, je dirais, de quoi subvenir à peu près un demi-milliard de personnes sur la planète, ce qui représente à peu près 8% de la population de la planète. Ça, c'est le contexte. Autre élément de contexte, c'est que le récif corallien, il est sous pression. On en a parlé rapidement ce matin, avec M. Brasseur qui en a parlé rapidement. Il est sous pression par rapport à différents aspects. Le premier, c'est que malheureusement, le récif corallien, il a la malchance pour lui, parce que ces organismes-là ont besoin de lumière, de se retrouver principalement distribués le long des zones côtières. Parce que c'est là qu'il peut, il peut pas être par 3000 mètres de fond, il n'y a pas de lumière. Donc le seul endroit où il peut pouvoir se développer, ça va être dans les zones côtières. Et ces zones côtières sont aussi les zones qui sont particulièrement utilisées par nos sociétés humaines pour le développement de ports, pour le développement de diverses activités. Ce qui fait que vous avez une dégradation importante des récifs coralliens. Et au jour d'aujourd'hui, la dégradation principale qu'il y a eu sur les récifs coralliens qui
fait considérer par certaines évaluations que l'on a déjà perdu à peu près entre 20 et 25% des récifs coralliens, c'est principalement dû à l'impact sur le littoral. C'est principalement dû à des problèmes de gestion du littoral. Moi, j'insiste beaucoup dans nos sociétés, dans les sociétés polynésiennes où je vais, où je leur dis, si vous voulez avoir une conservation rapide et immédiate du récif corallien, attaquez-vous d'abord au problème de gestion du littoral. Attaquez-vous d'abord au problème des bassins versants. Attaquez-vous d'abord au problème du maximum d'érosion que vous allez ramener sur les récifs coralliens, qui vont recouvrir de particules fines et de sédiments les récifs et qui vont entraîner des mortalités importantes. Et donc on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 20%. Mais un autre facteur est non négligeable et prend de plus en plus d'importance sur la fragilité des récifs coralliens, c'est les facteurs liés au changement climatique. Alors, changement climatique, je vais en passer deux éléments parmi les trois éléments principaux qui ont un impact sur l'océan. C'est en gros le premier, l'augmentation du niveau marin. Alors là, je vous dis de suite, le récif corallien, le niveau marin peut monter un petit peu, même de 50 cm, même de 80 cm, ça ne lui posera aucun problème. Il montera un petit peu, ça lui posera zéro problème. L'acidification, ça a été très très débattu il y a une dizaine d'années. Maintenant, on est un peu moins dans ce débat-là. Il semblerait que, certes, on a des diminutions de calcification, mais ça n'entraîne pas réellement de réduction dans la croissance corallienne. Par contre, l'augmentation de la température, là, c'est effectivement très problématique, parce que le récif corallien, et le corail en particulier, est un vrai thermomètre de la planète. C'est-à-dire qu'à 30 degrés, vous avez un récif corallien, comme vous avez ici sur la gauche, qui est magnifique, et à 31 degrés, vous avez un récif corallien que vous avez sur la droite. Certains trouvent que blanc, c'est magnifique, hein, je vous le rassure, que pour faire certaines photos, ils trouvent que c'est magnifique. Là, ici, malheureusement, blanc, c'est plutôt la couleur du mortuaire, c'est plutôt une couverture mortuaire, et c'est plutôt une phase où il est pas loin de mourir. Et je vais revenir sur cet aspect de blanchissement. Et c'est vraiment, on parle beaucoup, par exemple, des forêts qui pourraient être, des forêts notamment de conifères, qui pourraient être des marqueurs du changement climatique, des marqueurs de la température. Là, on a un marqueur qui est fantastique. En gros, à 30 degrés, il ne se passe rien. À 31 degrés, boum, ça se casse. Pourquoi vous avez cette photosynthèse, ce blanchissement? C'est parce qu'au-delà d'une certaine température, et d'ailleurs, la température n'est pas le seul stress qui peut entraîner du blanchissement, mais je vais y revenir, mais au-delà d'une certaine température, le corail, l'organisme est stressé. Et lorsqu'il est stressé, il ne reconnaît plus la zooxanthelle, cette fameuse algue qui lui amène un maximum de synergie, il ne le reconnaît plus comme étant un partenaire. Et donc, comme il ne le reconnaît plus comme étant un partenaire, il va se passer deux opérations. Une partie, il va les expulser. Une partie, il va les digérer, parce que tant qu'à y être, autant que ça serve à quelque chose. Donc, il y a beaucoup de libération d'enzymes dans les zones cellulaires qui vont entraîner une digestion d'une partie de ces zooxanthelles, et une partie va être expulsée. Résultat des courses, ces zooxanthelles, ce sont... Là, c'est la structure qui donne la couleur du corail. Donc, pendant un certain temps, vous allez avoir un corail qui va être blanc. Quand il est blanc comme ça, il n'est pas mort. Le corail n'est pas mort quand il est blanc, c'est simplement que les polypes sont translucides. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de zooxanthelle. Pendant quelques semaines, je dirais, en principe c'est une, deux, trois semaines, il va continuer à vivre en captant ce qu'on appelle du plancton dans le milieu. Et il va continuer à survivre comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est comme si vous, on vous donnait d'un coup... Moi, ça me ferait peut-être du bien pendant quelques jours, mais c'est comme si on vous donnait plus que 10% de votre alimentation, à peu près. Eh bien, pendant une semaine, ça tient. Pendant 15 jours, ça commence à être plus problématique. Et au bout de 3 semaines, vous commencez à avoir des lyses cellulaires, vous commencez à avoir des morts cellulaires. Et puis, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une mortalité. Et vous avez derrière, effectivement, des mortalités importantes. Et on a eu des événements de blanchissement qui ont été très importants. Un des plus importants qui est à signaler, c'est un événement de blanchissement qui a eu lieu en 98, qui était associé à un phénomène climatique, El Niño, particulier, qui est une réversion, et je crois qu'on vous en parlera un peu plus tard, qui était associé à une réversion climatique, notamment dans l'océan Pacifique, et qui a entraîné du jour au lendemain, alors quand je dis du jour au lendemain, c'est en 6 mois, mais à nos échelles, je dirais, d'une durée de vie humaine, c'est quand même rien du tout, qui avait entraîné quasiment 20% de la perte des récifs coralliens dans le monde, ce qui est énorme. Mais le récif corallien peut repartir là-dessus. Sauf que, de nos jours, eh bien, on a de plus en plus de blanchissement, on a de plus en plus d'événements de température chaude qui ne sont plus, d'ailleurs, nécessairement liés à El Niño,
Et ça, je vais y revenir rapidement. Et vous avez ces paysages-là qui, malheureusement, se traduisent par des mortalités très importantes. 2016, 2017, sur la Grande Barrière, à peu près 50% de mortalité des coraux en l'espace de quelques mois. 2017, sur la partie nord de la Grande Barrière, toute la partie en rouge ici. 2017, sur la partie en rouge centrale, eh bien, à peu près 50%, 60% de mortalité également. Et derrière, vous avez des paysages comme ça. Ils sont assez triste finalement, parce que là vous avez eu un événement de blanchissement. Derrière, vous avez une petite poussée algale, donc vous avez un peu de verte sur les coraux, mais là, il ne faut pas s'y tromper. Tout ce que vous avez ici, c'est du corail qui est mort, qui n'a plus de vie et qui, derrière, va se dégrader, va petit à petit se décomposer assez rapidement. Et puis, vous allez avoir des pertes de diversité à ce moment-là. Là, vous avez un événement de blanchissement qui est tout récent, qui avait lieu au mois d'avril. Au mois d'avril, mais en Polynésie, à Moréa, sur l'île de Moréa, donc là où je travaille, donc à côté. Voilà ce que représente, voilà visuellement ce que représente un blanchissement. Vous avez ces colonies-là. Je vous assure que certains ont trouvé que c'était très joli. Il y a certaines personnes qui ont plongé et qui ont trouvé que c'était très joli à voir. Bon, c'est après les goûts et les couleurs, chacun les partage. Voilà. On a eu à peu près, parce que maintenant c'est un événement qui est passé, on a eu à peu près 30% de mortalité corallienne à ce moment-là. Principalement, d'ailleurs, de façon surprenante, c'était principalement, et ça c'était une observation que j'avais faite, sur les grosses colonies. Les petites colonies, de façon surprenante, n'avaient pas blanchi et n'ont pas blanchi. Là aussi, est-ce que quand on est plus jeune, on est plus vif, on est plus résistant? Il y a aussi tout un tas de voies d'études là-dessus qui sont à développer. Ce qui était intéressant, c'est que, alors évidemment, je vais le décrire rapidement, à l'échelle de la Polynésie, vous aviez Tahiti et Moréa, où il y avait eu des blanchissements très importants, mais vous aviez à côté Bora Bora, Wainé, ou dans les Tuamotu, qui ne sont pas très loin, hein, c'est 200-300 km, où il n'y avait pas de blanchissement, ou quasiment pas de blanchissement. Parce que de nos jours, on atteint des températures qui sont un peu différentes. Ce sont des températures qu'on appelle, c'est des formations, on appelle ça des warm blobs. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais c'est à peu près ça. C'est en gros des bulles d'eau chaude qui se créent et qui sont dues effectivement à des stabilisations climatiques locales. Donc vous n'avez plus du tout de vent, vous avez une surchauffe locale. Cette surchauffe locale entraîne une bulle d'eau chaude qui va se développer. Alors une bulle d'eau chaude d'une centaine de kilomètres, hein, des choses assez larges, et qui vont se balader comme ça dans l'océan. Et si elles se stabilisent pendant 2, 3, 4 semaines sur une zone, et bien à ce moment-là, cette zone corallienne, elle est impactée par une forte température, et vous avez des blanchissements comme c'est le cas comme ce fut le cas à Montréal. Voilà. Et là, et bien finalement, vous perdez 30% de vos coraux du jour au lendemain. Si votre environnement est bien, eh bien, ça peut repartir, et ça peut repartir assez vite. J'y reviendrai. Voilà, ça aurait pas été bien de ne pas vous présenter le centre où je travaille, pas du tout pour vous faire des envieux, mais bon, un peu aussi quand même, pour faire un peu de publicité. Donc voilà, donc ça c'est tout ce centre-là et le centre de recherche du CRIOB en Polynésie, au fond d'une baie qui s'appelle la baie d'Opunu et qui est sur l'île de Moréa et sur lequel donc j'ai passé une grande partie de mon activité. Voilà. C'est un centre qui dépend de l'Université de Perpignan, du CNRS et de l'École pratique des hautes études. Et c'est à peu près 80 personnes et à peu près une centaine, 150 personnes que l'on reçoit. Mais aujourd'hui, j'étais là surtout pour vous parler de l'expédition Tara et notamment de l'expédition Tara Pacifique. Et avant de parler de l'expédition Tara Pacifique, je vais vous parler de Tara, de la rencontre, je dirais, avec Tara. La rencontre avec Tara s'est faite au travers de Romain Troublé, qui est le directeur de la Fondation Tara, dans le contexte où il finissait toute une grande opération qui s'appelait Tara Océan, qui était un suivi de l'océan, et la Fondation Tara a pour but vraiment d'être, je dirais, un avocat pour la protection des océans, mais au travers d'un développement de la recherche et au travers du développement d'une recherche, je dirais, de très haut niveau, autant que possible. Donc Tara, c'est un bateau, en premier lieu. Ce bateau, c'est l'ancien bateau Antarctica qui avait été construit par Jean-Louis Etienne. Et ce bateau, il a été construit initialement pour aller sur les glaces. Donc vous allez me dire, des glaces aux coraux, il y a une petite différence légère, à peu près 20 degrés, 25 degrés, 30 degrés de température de différence. Difficile de trouver plus extrême dans les océans. Mais voilà, donc Tara, c'est ce bateau qui mesure 36 mètres de long, à peu près 9 mètres de large, et qui est équipé pour aller principalement, comme je le disais, sur les glaces, et qui a eu, lorsque
la fondation Tara et notamment la responsable de mode Agnès B a racheté le bateau, avait pour objectif de revenir à l'initiative un peu pour laquelle ce bateau avait été construit, c'est-à-dire de venir pour faire de la recherche scientifique ou pour venir en appui à la recherche scientifique. Alors lorsque vous avez un bateau comme ça, ce qui est particulièrement original, c'est que et mes confrères scientifiques ne me contrediront pas là-dessus, c'est qu'habituellement, lorsque vous travaillez avec des bateaux scientifiques, vous avez les bateaux pour un mois, deux mois. Si vous, vraiment, vous avez de la chance, et si votre programme est essentiel, vous les avez pour trois mois. Là, on avait la chance d'avoir un bateau pour deux ans, ce qui permet de mettre en place des expéditions d'une autre dimension, ce qui permet de vraiment dire « je vais pouvoir travailler à l'échelle, effectivement, de l'océan et travailler à l'échelle de cette dynamique ». Donc Tara a développé des missions en Arctique, Tara a développé toute une mission qui s'appelait Tara Océan, qui a, je dirais, sillonné un peu tout l'océan pour faire des prélèvements, notamment et s'intéresser à la diversité du plancton, et a notamment eu à cette occasion découvert de nombreux phylums nouveaux et toute une diversité que l'on n'imaginait pas au niveau du plancton, tellement c'est diversifié. Et puis Tara est aussi finalement un rôle aussi de leader dans la conservation des océans. Il siège aux Nations Unies, dans une chambre parallèle, mais ici à Nations Unies au niveau des ONG, et ils ont une vraie dynamique, je dirais, pour mettre en place une des politiques de conservation, ou pour mettre en avant des politiques de conservation. Donc dans ce contexte, ils ont voulu s'intéresser aux récifs coralliens parce que justement, on abordait ces problèmes de blanchissement et ces problèmes de mortalité. Pour rappel, même si je ne les copte pas complètement, mais les derniers chiffres du GIEC annoncent qu'à plus de 2 degrés, vous auriez 99% des récifs coralliens qui disparaîtraient de la planète. C'est peut-être, moi je dirais tendance, j'aurais tendance à dire que 99% des récifs coralliens seront transformés de façon significative au niveau de la planète. Et donc il y a eu l'objectif de s'intégrer à un focus sur les récifs coralliens. Ce focus sur les récifs coralliens, évidemment avec un bateau qui est habitué à travailler dans la glace et qui est très très bien isolé, et je peux vous assurer qu'il est très très bien isolé, nous n'avions pas froid dans les cabines. Hein. Je peux vous dire que heureusement qu'il y avait des ventilateurs, heureusement qu'il y avait quelques aménagements, parce que en termes de sauna, c'était du sauna pas très cher, ça marchait très très bien. Voilà. Cet objectif, ça s'est déroulé sur 2 ans, et je vais vous décrire ça. Mais je vais commencer par vous présenter rapidement ce que c'est que le microbiome. C'est un terme un peu savant, mais ça a été une vraie révolution, notamment en médecine, il y a à peu près une quinzaine d'années, lorsqu'on s'est rendu compte que les microbes n'étaient pas nécessairement nos ennemis. C'est écrit ici, hein, mais on a toujours, et moi-même, je dirais que quand j'étais enfant, mes parents me disaient toujours qu'il fallait bien se laver les mains, qu'il fallait bien se laver pour éliminer les microbes, et que les microbes, on était sur un principe que les microbes étaient négatifs. Ce n'est pas tout à fait le cas. Les microbes, c'est d'abord une part très importante de notre organisme, puisqu'on considère qu'on a à peu près 10 fois plus de cellules microbiennes, que ce soit des bactéries ou des virus ou d'autres champignons et autres. On a à peu près 10 fois plus de cellules microbiotiques de microbes sur nous que de cellules humaines. Donc vous avez à peu près 10 fois plus. Pourquoi ? Parce que les cellules humaines sont plus grosses que les cellules, en principe, bactériennes et autres. Et vous avez, vous et moi, à peu près 300 espèces différentes de bactéries sur soit votre mucus extérieur, soit au niveau du tube digestif. Et vous avez à peu près ce qui représente à peu près 4 à 5 kilos de bactéries. Et dans ces bactéries, vous en avez effectivement, et je vais réduire l'aspect microbe à l'aspect bactérien, mais vous avez aussi l'aspect virus et autres. Dans cet aspect bactérien, vous avez une grande partie qui sont effectivement, il y a une toute petite minorité qui sont pathogènes. La grande majorité sont absolument essentielles au développement et à notre développement, à tel point que l'on considère que, en fonction de la faune bactérienne que l'on a, à la naissance ou que l'on acquiert dans les tout premiers mois de la naissance, on va être plus ou moins sensible ensuite à certaines maladies, voire même, c'est paru il n'y a pas très très longtemps, c'est une paire d'années, je crois, une année, voire même des choses comme l'autisme qui serait dû à des manques bactériens en tout début de développement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et ça a été une vraie révolution au niveau médical. Et on a défini ainsi
toute une carte finalement de tous les différents types bactériens que l'on avait chez l'homme. Et donc, dans la réflexion de Tara Pacifique, l'idée a été de dire, bon, mais on a eu une révolution sur le microbiome, hein, je vais pouvoir maintenant utiliser ce terme que je vous ai expliqué, donc sur cette communauté finalement de microbes que l'on a au niveau de l'homme, eh bien, voyons ce qu'il en est au niveau du corail. Sachant que sur le corail, ce qui est intéressant, c'est que ça avait été très étudié au début, c'est-à-dire la zooxanthelle est le premier microbe, finalement, du corail, puisque c'est déjà un organisme microscopique, puisqu'il est inférieur au millimètre, et qu'il était déjà très présent dans le corail. Mais on n'était pas allé beaucoup plus loin dans cette analyse-là, et il n'y a eu que quelques travaux qui ont été faits, encore ils sont très très récents, pour savoir un peu cette diversité. Et donc l'objectif de Tara Pacifique, ça a été vraiment d'aller à la recherche de la diversité du microbiome du corail, et de voir également en quoi ce microbiome pouvait avoir une importance dans l'état de santé du corail. Et est-ce qu'on allait avoir finalement une diversité? Et donc pour cela, eh bien, l'idée, ça a été d'aller dans plusieurs récifs et de faire de l'échantillonnage. Donc le principe même de l'échantillonnage dans Tara Pacifique, c'est d'avoir une approche écosystémique relativement unique, c'est-à-dire qu'on est allé échantillonner du corail, on est allé échantillonner l'eau qui est autour du corail, on est même allé échantillonner des poissons, bon, ça c'est parce que moi je travaille beaucoup sur le poisson, donc j'aimais bien que l'on travaille sur le poisson, on est allé échantillonner du plancton dans les zones proches des récifs coralliens, et on a voulu là-dedans regarder finalement la diversité de ce microbiome et en quoi il était relié. Il faut savoir que l'on part sur des choses que l'on ne connaît pas ou que l'on ne connaît presque pas. Alors ce qui est le principe même de la recherche, c'est que quand on ne connaît pas, on passe d'abord par une première étape qui est de décrire. Elle peut paraître rébarbatrice, elle peut paraître, je dirais, pas forcément la plus utile au début, mais on a besoin de cette étape de décrire parce qu'on a besoin d'avoir une idée sur les faunes que l'on a pour les savoir, alors pour pouvoir les analyser et pour ensuite comprendre comment elles fonctionnent les unes avec les autres. Et donc passer à la deuxième étape qui est de comprendre. Et donc là, la première étape, vraiment, dans Tara Pacifique, c'était d'abord une étape de comprendre. Donc on a prélevé, alors on peut pas 1500 espèces de coraux, hein, donc on ne peut pas prélever tout, voilà. Donc on s'est concentré sur quelques espèces de coraux, 3 espèces de coraux, 2 espèces de poissons, et l'idée était vraiment d'avoir une analyse simultanée de la microbiodiversité de tous ces organismes, et de les avoir dans leur environnement. Donc Tara Pacifique, je dirais que je l'assimilerais plutôt à une expédition type et Tara Océan a été comme ça, donc toutes les démarches Tara, finalement, ce sont des démarches où l'on se replace plus dans les grandes expéditions anciennes. Alors, je vous rassure, je ne vais pas me comparer à Darwin ou je ne vais pas me comparer à la Pérouse, hein, on n'en est pas là, loin de là, hein, restons humbles, mais dans la démarche, je dirais, scientifique qui est derrière, on est dans des démarches similaires, c'est-à-dire que l'on va étudier l'ensemble d'un écosystème. Et dans ce contexte-là, Tara Pacifique est allé, je dirais, à travers tout le Pacifique, 32 sites dans le Pacifique, sur chacun des sites, 3 échantillons, etc., etc., pour avoir finalement une approche globale, pour avoir une vision globale à l'échelle d'un océan, et pas être comme c'est fait jusqu'à présent, et comme ça continue d'être fait, être dans tel site ou dans tel site dont on n'a pas une vraie lisibilité sur la représentativité de tel endroit ou de tel endroit. Et pourquoi le faire à l'échelle du Pacifique? D'abord parce que c'est le plus grand des océans, et en termes de diversité de corail, eh bien, on a fait un échantillonnage qui est finalement dans le gradient de biodiversité des espèces de coraux. C'est-à-dire que là, vous avez, vous voyez, en noir, dans la partie centrale du Pacifique, au niveau des Philippines, ce qu'on appelle le triangle de corail, hein, Philippines, Indonésie, Papouasie, vous avez jusqu'à... Alors, je dis qu'il y a 1500 espèces de coraux, pas au même endroit, hein, mais dans les parties où vous avez le plus de coraux, vous avez entre 600 et 700 espèces de coraux. Et puis après, évidemment, vous en avez certaines qui ne sont pas présentes là, qui sont présentes en tout, ailleurs. Et en tout, on est aux alentours de 1500, 1400 d'ailleurs, plutôt répertoriés aujourd'hui. Et effectivement, vous voyez, la roue de Tara, qui est en noir ici, passe à travers les zones où il y a beaucoup de diversité de coraux, peu de diversité de coraux, parce que un des questionnements, c'était effectivement de savoir si la diversité en corail pouvait entraîner des diversités après en microbiome. En gros, l'idée, c'est de savoir est-ce que ce microbiome, il est le même à travers tout le Pacifique et tous les écosystèmes coralliens? Est-ce qu'il y en a une partie qui est
on va dire, le cœur du microbiome que, nous avons, que tous les coraux ont, et puis, quel que soit l'endroit, ils l'ont, parce que c'est essentiel, finalement, à son développement. Et puis, vous avez une partie qui est plus variable et qui est plus, changeante. Comme nous, eh bien, on a des parties qui sont similaires et puis des parties qui sont plus changeantes, qui font la, diversité. Donc, c'était ces questionnements-là. Pour cela, donc, on a échantillonné, donc, comme je le disais, différents compartiments. Et comment on les a échantillonnés? Eh bien, on les a échantillonnés d'abord... Ben alors, ça n'en est pas forcément fier, mais d'abord, on les a échantillonnés en, cassant des petits morceaux de coraux. Voilà, ça repousse. Hein. Voilà, on, donc, voilà, ne stressons pas trop. Donc, on a récolté 10 colonies sur un site d'une même espèce. Et sur chaque île, il y avait 3 sites différents, etc., etc. On a, parallèlement à ça, fait une collecte d'un carottage. Alors, qu'est-ce que c'est un carottage et pourquoi est-ce qu'on a fait un carottage? Ce qu'on appelle un carottage, c'est-à-dire qu'on va prendre une carotte, en fait, c'est une carotte, je crois que ça n'a pas vraiment d'autre nom, c'est une carotte du corail qui va nous permettre ensuite d'âger le corail et de lui donner un âge parce qu'il était important de pouvoir calibrer tout ça par rapport à l'âge des colonies. Donc ça, c'était une première approche. Parallèlement à ça, on a prélevé de l'eau autour du récif, de l'eau très très près du corail, avec des systèmes de pompage très particuliers et adaptés pour pouvoir avoir l'environnement en termes d'eau du corail, c'est-à-dire en gros, est-ce que ce microbiome qu'on a sur le corail, est-ce que c'est quelque chose qu'il partage avec l'eau? Est-ce que c'est quelque chose qui est unique et qu'il sélectionne dans l'eau? Est-ce que c'est quelque chose où il a son propre jardin, qu'il développe lui-même? Est-ce que c'est ces éléments-là qui sont importants? Et puis, parallèlement à ça, on a travaillé également sur un poisson, enfin deux poissons en l'occurrence, qui vivent à proximité du corail, pour savoir les transferts qu'il pouvait y avoir dans ce microbiome. Est-ce que des transferts entre grands groupes taxonomistes existaient? Et puis, dans ces transferts, est-ce qu'il pouvait y avoir des transferts de différents éléments que l'on avait? Parallèlement à ça, on a fait également des prélèvements en surface avec Tara directement, pour prélever du plancton, cette fois-ci dans les zones avoisinantes, et pour savoir en fait quel était l'impact d'un système insulaire sur le récif aux alentours. Voilà, voilà quelques images de prélèvement. Vous voyez, on prélève l'eau qui est autour, avec le bateau qui est au-dessus, tout ça s'est fait en plongée. On va calibrer chaque espèce de corail, évidemment tout est photographié, tout est repris. Les échantillons sont ramenés à bord, tout est conditionné à bord, donc tous les échantillons sont conditionnés à bord. Certains sont conservés dans l'azote liquide pour être très froid, certains sont conservés en congélation, etc. Et puis, l'objectif de cette mission est triple. Le premier objectif, c'est de vraiment revisiter la diversité, la microbiodiversité du corail, en intégrant évidemment des approches relativement nouvelles, en quelque sorte, pour ces organismes-là, qui sont que des approches moléculaires. Parce que malheureusement, les bactéries, on ne les voit pas à l'œil nu, ça premièrement. En microscopie, on les voit, mais on ne les caractérise pas. Et le seul moyen de les caractériser, c'est de faire leur séquence d'ADN. Donc, tous ces organismes-là sont entièrement séquencés et c'est à partir de ces séquences que l'on va identifier les différents taxons que l'on a. D'ailleurs, on a développé à ce moment-là des techniques pour, une fois que les échantillons sont prélevés, une fois que les extractions sont faites, pour pouvoir faire du séquençage. Et on a même développé des techniques pour faire du séquençage directement sur le bateau. Et certains séquençages, on les a faits sur le bateau pour notamment vérifier à certains moments que les espèces de coraux que l'on prélevait. Et on a pu bien valider certaines espèces avec des appareils de nouvelle génération qui permettent de faire du séquençage avec des tout petits séquenceurs qu'on a embarqués et pour lesquels on était test pour ces approches-là. Voilà un petit peu l'approche 1. L'approche 2, c'est que l'on a fait ces fameuses carottes de coraux. Et là, vous avez effectivement, vous voyez, toutes ces stries que l'on voit, c'est exactement comme un tronc d'arbre, exactement. Sauf que le tronc d'arbre, c'est dans la largeur. Là, c'est dans la profondeur, mais c'est exactement pareil. Vous avez ces stries, ça nous permet d'avoir une information sur l'âge de ce corail. Mais on va aller un peu au-delà, c'est-à-dire que sur ces stries, on va faire des analyses des différents isotopes que l'on retrouve dessus, qui nous permettent de retracer quelles étaient les conditions de pH, quelles étaient les conditions de température, quelles étaient les conditions de salinité et même les conditions de lumière que l'on avait au cours, en gros, des 100 dernières années. On a fait ça sur des carottes, comme vous voyez, qui font à peu près 1 à 2 mètres de diamètre. Et à partir de là, la croissance sur ces espèces-là est d'environ
sur cette espèce massive est d'environ 8 mm à 1 cm par an. Et là, en faisant une carotte de 1 mètre, on a à peu près une centaine d'années. Donc on peut remonter sur à peu près un siècle. Voilà à peu près comment se faisaient ces carottes. Ce n'était pas aussi facile que ça parce qu'il y avait tout un équipement à mettre à bord, etc. Le troisième aspect sur lequel on travaillait, c'était sur l'analyse de l'état de santé. Parce que ce que l'on voulait, c'était également être capable de relier l'état de santé du corail avec le microbiome que l'on observait. Parce que la multitude de sites et la multitude d'échantillons qu'on avait nous permettra ensuite de relier les deux. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, on a fait de l'analyse de biomarqueurs. C'est-à-dire, comme vous allez voir votre médecin qui vous fait une prise de sang, qui, à partir de la prise de sang, va vous dire tous les différents paramètres que vous avez et ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Eh bien là, à partir d'analyse de biochimie, on est capable de ressortir tout ce qui est les enzymes qui sont dues à une dégradation normale ou anormale dans le mécanisme cellulaire. Et à partir de là, on peut faire ce qu'on appelle un biomonitoring de l'état de santé de la colonie corallienne et relier cet état de santé ensuite au microbiome que l'on va analyser. Et une dernière approche que l'on faisait, c'est qu'on s'est intéressé et que l'on s'intéresse en ce moment aux télomères. Alors, ça va vous donner une idée pourquoi le corail peut être intéressant. C'est que certaines colonies, comme celles grosses que vous voyez, peuvent aller jusqu'à 4000 ans. Voilà, c'est à peu près les estimations qui ont été faites. Voilà. Et on se pose la question de savoir comment ces organismes, qui sont parmi les plus vieux qui existent au monde, peuvent vieillir aussi bien, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi. Et on sait très bien que un des facteurs limitants, notamment chez l'homme, mais chez les vertébrés en général, hein, c'est la longueur des télomères. Là, vous avez un chromosome, et les télomères, ce sont les bouts de ces chromosomes, ces parties, ces extrémités, qui, au fur et à mesure que l'on vous stresse, donc vivez avec le moins de stress possible, c'est mieux, au fur et à mesure que l'on vous stresse, ou tout simplement que vous vieillissez, eh bien, ils vont se réduire, et quand ils arrivent effectivement à des tailles relativement réduites, à ce moment-là, vous allez avoir un vieillissement accéléré et vous allez vers un vieillissement cellulaire et une mort cellulaire. Et donc, effectivement, la vraie question, c'est de comprendre comment ces coraux qui atteignent des âges records de près de 4000 ans peuvent, je dirais, maintenir finalement, voire réparer ces télomères. Donc, on travaille notamment avec un laboratoire en biomédical sur ces questions-là. Voilà un petit peu la présentation. C'est un travail. Ça a été une expédition qui est complexe parce que c'est 15 laboratoires différents, plus de 50 scientifiques qui ont été à bord. Aujourd'hui, on a un consortium Tara-Pacifique qui regroupe près de 80 et 90 personnes qu'il faut gérer. Il faut s'assurer que ces gens-là travaillent dans la complémentarité et ne travaillent pas dans la compétition. Les scientifiques sont très bons pour travailler dans la compétition parfois. Voilà, donc ça, c'est aussi une des particularités. Mais je dirais que c'est pour le coordinateur, mais à la fois pour les participants. Je pense que c'est une expérience assez unique parce que justement, de travailler dans le cadre de consortium comme ça et d'arriver, je dirais, à avoir les éléments aussi variables sur un même système et d'arriver à les mettre en parallèle, d'arriver à les corréler, c'est ce qui réellement fait l'originalité d'expéditions de ce type-là et de dynamiques de ce type-là. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision intégrée du récif corallien et du corail au niveau de l'océan, et puis d'avoir cette approche vraiment multidisciplinaire sur, finalement, le corail et son environnement pour essayer de ressortir certains éléments clés ou certains éléments nouveaux à partir de cette approche microbiotique sur, finalement, ce qui pourrait expliquer ou pourrait amener à mieux comprendre les phases un peu de dégradation du récif corallien et des coraux en général, oui, et puis essayer d'appréhender finalement le en avance un peu ou d'être un peu dans le prévisionnel sur ce que l'on peut s'attendre avec des modifications de l'environnement telles qu'elles sont à attendre, voilà. Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, évidemment, je suis disponible pour toutes les questions que vous auriez. Merci beaucoup.